Quelqu'un sait comment on peut tuer un troll? Un coup d'épée dans la gueule. Il faut le découper à la hache. Une bonne boule de feu et on n'en parle plus. On pourrait aussi y partir et refermer la grille. C'est ça, et puis on changera jamais de niveau. Les morts ne changent pas de niveau. Calmez-vous, on va trouver une solution. Il dit qu'on peut l'amadouer en lui donnant à manger. Mais je n'ai pas envie d'un copain troll. Mais ça pourrait nous être utile. Sans doute qu'il peut faire un numéro de claquette avec l'ogre. Et il fait aussi les papiers peints. Ah, vous me faites chier, je vais lire mon nouveau grimoire. Ben moi, je vais attaquer le troll. Moi aussi. Est-ce que mes flèches peuvent blesser un troll? Aucune chance, puisque tu vas tirer à côté. Ah, t'es vraiment trop con. Je vais surveiller l'entrée. J'avais oublié à quel point tu aimes le danger. C'est pour ça que je suis un voleur. Et ta dague, c'est pour écorcher les lapins? Laisse tomber, c'est un trou du cul. Retire ce que tu as dit, sinon... Sinon quoi? Eh bien, sinon... Je m'en vais. Tant mieux. C'est bizarre. Le troll n'attaque pas. C'est une embuscade. Il nous attend. Rien à foutre, j'avance. Ouais. Mais vous n'avez pas de plan d'action. Je m'en fous. Bon, j'arrive. Oh. Je viens avec toi. C'est ça. Allez vous faire broyer la tête. Je suis dans la caverne. Plus vite. Alors? Il ne peut pas nous attaquer, il est enchaîné. Ah, voilà le fameux troll. Alors quoi? On ne va pas l'attaquer quand même. Attendez, je vais lui parler. Bonjour, troll. Nous, amis. Il a gueulé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Bah, j'en sais rien. Et l'autre qui s'y met, mais bordel, où est la magicienne? Elle est partie bouquiner, elle fait la gueule. Quelle gamine! On a besoin des traductions, allez la chercher. Eh vas-y toi-même, je suis pas ton chien. Moi non plus. Est-ce que l'un de vous aurait l'extrême obligeance d'aller quérir la magicienne? Non. J'ai envie de me pendre. Pendant ce temps, quelque part dans le donjon... Oh, tout puissant Zangdar, des intrus sèment la panique dans ta noble tour. Ils sont pitoyables, ils ont même frappé avant d'entrer. Je sais, mais c'est à propos des monstres que vous avez envoyés. Eh bien, parle. Eh bien, ils ont tous été brûlés dans un torrent de lave. Damned, cette sorcière a donc de vrais pouvoirs. Eh bien, c'est que... Ils ont aussi saccagé notre magasin. Ils paieront pour cet affront, et toi aussi. Va donc te faire fouetter. Bien, maître. Bon, j'ai retrouvé tout le monde. On va pouvoir communiquer avec la grosse bête? J'ai un dictionnaire troll quelque part dans mon sac. T'auras bientôt besoin d'une brouette pour tes livres. Crétin. Je me rappelle pas ce qu'il a dit. Moi non plus. Voilà, c'est ça. Il a dit Schlagvuk. Alors, Schlagvuk, Schlagvuk. Il y a plein d'objets derrière le troll. Certains peuvent se vendre à un bon prix. Schlagvuk, ça veut dire manger. C'est toujours pareil avec les monstres. Si on lui offre à manger, il nous donnera certainement des objets. Et qu'est-ce qu'il veut pour son dîner? Schlagvuk Zodo. Quel horrible langage. Alors? Il veut manger l'aile. Quelle bonne idée! Mais ça va pas à la tête! Il faut savoir se sacrifier parfois. Attendez, on va trouver une solution. Il veut aussi un panier de pommes. Mais que va-t-il faire avec ses fruits? Moi, je sais. Oui, j'ai peur de comprendre. C'est dans la chanson. Je ne connais pas cette chanson. C'est mieux pour toi. On ne pourrait pas lui donner autre chose? Ça m'arrangerait beaucoup. Mais non, il a fait son choix, on ne va pas le contrarier. Ça fera un danger public de moins dans ce groupe. L'ogre dit qu'il pourrait lui donner des morceaux de gobelins. Voilà une idée constructive. C'est vrai? Il en avait gardé pour son pique-nique. Schlagvuk, copain! Schlagvuk! Zog! C'est quoi ça, une surprise partie? Je ne comprends plus rien. Bah, y a rien à comprendre, il mange. Alors moi, je vais faire la sieste. Ne va pas trop loin, le troll aura sans doute encore faim. Va te faire foutre, espèce de sac à vin. Tu me fais chier. Heureusement, ces créatures mangent vite. On devrait quand même penser à la mission. Je pense qu'on est loin de la salle du trésor. Y a personne à buter. Bon, arrêtez cette fête, ça m'énerve. Arrêtez cette fête!
J'aimerais savoir ce que le troll va donner en échange de son dîner. Du calme, petit homme. Mais... Ça alors, il parle notre langue. Eh ouais. Dis donc, tu t'es foutu de nous, le troll. C'est pas cool. Les cris, c'est pour effrayer les touristes. C'est malin. Bon, en tout cas, il faut gagner ta croûte maintenant. Je vais vous donner un plan. C'est bien, ça m'évitera de perdre mon temps. Même pas une pièce d'or, fais chier. C'est un plan complet du donjon. Il vous mènera dans la pièce la plus importante. Et voilà, à nous la statuette. Ne crions pas victoire trop tôt. Tiens. Merci, voyons voir ça. Ça n'a pas l'air bien loin. Et on peut pas avoir ce petit coffret là? Non. Allez, viens, on s'en va. Mais on peut négocier si on lui donne l'elfe. Laisse tomber. En avant. Au même instant, quelque part dans le donjon... Alors, où sont-ils? Ils sont introuvables. Tu n'as qu'à interroger les gobelins. Et justement, les gobelins... Quoi encore? Ils ont disparu aussi. Incapable! Retrouvez-les! Bien, maître. Tu n'es qu'un lâche. Je sais. Bon, je crois que c'est cette porte. J'entends des voix. Attention, c'est peut-être le dernier sanctuaire. Bon, ben moi je vais ouvrir. Il y a de l'ambiance par ici. Cool. Entrons. On dirait une taverne. C'est l'entrée de service. Mais pourquoi le troll nous aurait envoyé ici? Il a dit la pièce la plus importante du donjon. Pour lui, c'est sans doute l'auberge. Je savais bien que c'était l'arnaque. Arrête de bouger comme ça. Tu crois que c'est le moment de danser? J'arrive pas à m'arrêter. Tu danses bien pour un humain. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aidez-moi! Je crois que ce sont des fameuses bottes magiques. Mais bien sûr, ce sont des bottes de danse. Elles s'agitent dès qu'elles entendent de la musique. Enlevez-les-moi! Arrête de bouger! Je peux pas! Attrapez-le! Aïe! Allez! Viens par là! Ça suffit maintenant! Voilà. Vous n'étiez pas obligé de me frapper dans la bouche. Bonsoir, messieurs, dames. Salut. Bonsoir. Mais quel est cet endroit? Mais vous êtes à la taverne de Nahulbeuk. La taverne de Nahulbeuk? Ce donjon est bizarre. Je crois que votre ami a très faim, non? Mais non, il a toujours faim. Vous désirez une table pour 7? J'ai soif. Nous servons 15 bières différentes et aussi du vin et du whisky. Et qu'est-ce qu'on mange? Notre spécialité est l'ours à la bière. J'adore l'ours à la bière. On va enfin pouvoir se reposer ici. Feignasse. Mais dites-moi, il y a souvent du monde comme ça? Oui, c'est très connu ici. Et merde, je croyais que personne n'était jamais entré. On nous a menti. Et c'est quoi ce groupe avec l'orque banjo? C'est le groupe folklorique de Tommy Verdâtre. Ça balance bien. Tommy Verdâtre? Certainement une célébrité locale. Oui. Notre ami aime tellement danser. Oh, ça va toi? Alors, est-ce que je vous sers quelque chose? J'ai pas d'argent. Menteur. On va prendre un ours et un tonneau de bière. D'accord. Mais t'es dingue. Vous avez pas une petite salade? Oui, bien sûr. J'en prends une aussi avec un verre d'eau. C'est parfait. Bon, eh bien on va s'installer. Vous pouvez continuer à danser si vous voulez. Mais j'ai pas envie de danser. Dommage, c'était marrant. La serveuse est partie. Mais merde, comment on va payer tout ça? Mais on va pas payer, on va s'enfuir avant qu'elle apporte la note. Mais c'est malhonnête. Ce n'est pas grave, nous sommes déjà poursuivis. Oh là là. On va s'installer près de la cheminée. Allons-y. Tu veux pas danser une petite jig avec tes super bottes? Oh merde, à la fin.